Amen. Avec Roy Guinness dans le rôle de Danny Fontan. Les Aurillacois, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Saint-Saëns, lui, les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit solitaire le long d'une route de Cambrousse, tandis qu'il cherchait un raccourci qu'il ne put jamais trouver. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spécial venu d'une autre galaxie. Maintenant, il sait que les Aurillacois sont là. Ils ont pris à peu près une forme humaine. Il sait qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Il faut bien reconnaître qu'on a subi pas mal de pertes au cours de ces derniers siècles, même. Les humains les repèrent, c'est ça? Oui, John, hélas. C'est bien de cela qu'il s'agit. Les premières versions d'émissaires que nous avons envoyées nous paraissaient plutôt pas mal. Mais nous avons sous-estimé les humains. Ils sont perspicaces et ont éliminé un par un nos envoyés. Avec quelquefois toute cette barbarie dont ils sont capables. Puis il y a eu une deuxième série, plus réaliste, plus crédible. On sait pas où ça a merdé, mais toujours est-il qu'ils ont été repérés à leur tour. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils ont été également massacrés. Ce qui nous a amené, il y a 2 ans, à tenter une approche expérimentale, dite de ressemblance superficielle. Et bien entendu, elle s'est avérée encore une fois totalement foireuse.
Mais alors, c'est sans espoir? Non, John. Nous touchons au but. Allez, c'est pas tout ça, je me remets au boulot. Alors, voyons. Ça, bon, c'est pas mal. Ça, non. Rassure-moi, me dis pas qu'il faut tout recommencer. Mais non, t'inquiète. Tu t'es planté? Non, pas du tout. Disons que c'est juste la barre de mon teu. Voilà, elle était pas... Le 2 aussi. Je vais recommencer mon 2 et... Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est fou. Le ce... Moi, je crois qu'il part en live. C'était pour vous faire marcher, les gars. En fait, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Les versions définitives de nos émissaires sont enfin prêtes. Regardez. Ils sont en train de se perfectionner à la conduite de véhicules tels qu'ils seront probablement amenés à le faire une fois sur Terre. En fait, on peut les considérer comme totalement opérationnels. Ah ben ça alors? Régis, notre ordinateur de bord va vous montrer. La version finale est totalement conforme à nos attentes. Superbe, énorme et robuste. Messieurs, nous n'avons pas travaillé en vain. Bah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne sais jamais où écrire ma liste de courses. Mais bon, c'est sans importance. Le plus important, il est là. Ces agents ultimes sont désormais fin prêts, messieurs. Ils ont subi un entraînement intensif afin de pouvoir se défendre en toute situation. Ils ont également acquis une force exceptionnelle à force d'exercice. Chacun d'eux possède désormais l'élégance naturelle de l'orignal et la force et l'endurance du yak. Nous les appellerons Aurillac. Tu vois, Raoul, la seule chose qui fout les boules dans cette opération, ce serait que quelqu'un les voit atterrir. Ça foutrait tout en l'air. Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque. On lance l'opération. Voilà, Jocelyn, l'avenir de notre civilisation est en marche. Ah merde, c'est quoi déjà le premier mot de ma prochaine réplique? Bon allez Régis. Régis. 7. Oui. Muriel. 7 aussi. Oui Régis. Putain. Ah oui. Oh oui, c'est bon, je me rappelle. Putain Raoul, tu peux me dire ce qui se passe? On a une émergence, raid alerte. Je sais pas ce que ça veut dire. Et vu que ça clignote, ça doit être grave. Il manquait plus que ça.